Aujourd'hui, tournage assez spécial. J'ai invité des amis qui ont déjà fait le Gang Show. Écoutez un de mes numéros de première année de l'école de l'humour, voir si mon numéro passera au Gang Show. Puis j'ai acheté des chips parce que je me suis dit que s'ils mangent puis qu'ils ont les mains pleines, il y a peut-être moins de chances qu'ils me gagnent. Et on check ça. La raison pourquoi j'ai voulu faire ça, c'est que j'ai fait le Gang Show une fois, comme participant, faire un vrai 3 minutes. Mais je trouvais ça injuste parce que moi, ça fait 10 ans que je fais du stand-up. Fait en montrant un numéro que j'ai fait en première année de l'école de l'humour, je pense que c'est plus fair. Puis je sais qu'ils vont me gagner. Le numéro, il est pas bon. C'est old school, c'est vieux. Je me reconnais même pas. Mais mon objectif, c'est qu'ils me gagnent maximum 3 fois parce que c'est pas un numéro de 3 minutes, c'est un numéro d'à peu près 8 minutes. Fait en espérant qu'ils me gagnent pas 3 fois. C'est ton ami! Salut, Monique! Ça fait longtemps! Mon Dieu, Monique me défend. La porte est ouverte, j'ai rien fait. Yo, je suis arrivé pile à l'heure, là. Voilà, voilà. Comment vous allez? Prêt à t'insulter. Oh boy. Bonjour tout le monde. Bienvenue au Gang Show de Charles Richard. Oh shit. Aujourd'hui, j'aurai des petits cahiers de notes pour prendre des notes sur mon numéro. On est fort Gang Show en plus. C'est mon numéro de première année de l'École nationale de l'humour au Club Soda. Avant que vous me jugiez, je voudrais juste dire que l'humour a évolué depuis 2013. Un numéro que j'aimais même pas à l'époque. Vous avez un gars. On va te gagner à chaque mauvaise blague et on va continuer de l'écouter après. J'ai tellement peur. C'est tellement peur. Vous êtes prêts? Si, moi j'ai peur. Je vais faire comme toi, je vais le laisser là puis je vais m'approcher si c'est mauvais. Je vais voir si je vais le prendre. Club Soda 2013, c'est parti. Le gars dans le vidéo, c'est moi. En deux factures. Ça a l'air plus vif aujourd'hui. Moi, j'ai fait 15 ans de sport extrême. J'ai eu 26 fractures et 24 commotions cérébrales. Un peu déçu qu'à l'hôpital, ils ne prennent pas la carte d'aimance. Comment ça a commencé mon histoire? C'est qu'à 12 ans, je suis professionnel dans la salle à télé. Je me suis dit, ça, c'est un métier qui va rendre ma mère fière. La seule personne qui ne peut pas encourager, c'est Madame. On peut obligé de prendre une brocasse. C'est une choix de carrière qui me fait couler avec la mention un petit dodu sur un escapédale. C'est drôle, mais ça ira pas loin dans la vie. Moi, je m'en dis sacré. C'était mon rêve de devenir professionnel de BMX. Quand t'as un rêve, t'as juste une chose à faire. Tu dois essayer. Ça marchera pas. On sent que c'est beaucoup de la famille que vous avez dans ça, là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer non, encore. Non, ça applaudit. Ça marchera pas. Tu vas essayer encore, puis essayer encore, puis essayer encore. Je suis capable que tu vas te rendre compte que ta vie, c'est un déroule de rebord. C'est pas la vie de rockstar exactement, là. C'est pas sexe, drogue et rock'n'roll, c'était plus comme BMX, Glitter, et Aspirin. C'est ça! C'est ça! C'est juste un highlight. Ça fait une minute! C'est juste un highlight. Reviens. Sexe, drogue et rock'n'roll. C'est... BMX, Glitter, et Aspirin. Désolé! Hey, c'est tellement humiliant pour moi de vous montrer ça! Hey, Pierre, un dodu va pas loin, là! C'est un gros cliché, là! On l'a entendu! C'était pas un cliché à l'époque, c'est 2013! Hey, ça a été fait depuis les cours d'école! Pour vrai? Charles, tu sais, on dit souvent, mets pas tes mains dans les poches quand tu fais du stand-up, mais genre, tu sais vraiment pas quoi faire avec tes mains. Je m'y mets au gaz! Mais t'es dans tes poches, genre, t'es comme ça, on dirait que tu sais quelque chose. C'est la première fois que tu fais l'amour. Ça paraît les commotions cérébrales parce que tu vois, 305 mois par année, ça se peut. J'ai manqué le gag, c'est un gag de. En tout cas. Est-ce qu'on continue juste en ouais, sortant ouais, 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 oui, oui, oui. J'ai fait des premières pages de magazines qui étaient distribués partout dans le monde, dans plus de 400 dépanneurs. Dans le fond, ce que je veux dire. Dans le fond, ce que je veux dire. Je dis, c'est qui lui? Mais là, 3 ans, quand je suis dans le pic de ma carrière, je serais monté sur scène, vous auriez dit, c'est qui lui? Même si je gagnais ma vie avec ça, il m'a quand même quelque chose pour que je sois heureux. Le symbole de l'accomplissement d'une carrière. Tu sais, pour les joueurs de football, c'est le Super Bowl de la Coupe Grey. Pour les joueurs de hockey, c'est Chantal Maccabée ou Marie-Pierre Morin. Dans le temps, à mes camarades que je vois le hockey. Ouais. C'est un peu mal, le frère. Oh!
l'astodue de Rosemont de Patrie, qui avait pris son cours d'éducation choix de carrière et était rendu parmi les meilleurs au monde. J'ai demandé une révision de notes à Madame Bush. T'as les qualifications puis la finale. Qualifications, j'étais des double tableaux de Delta, des 720 bars, des fleurs de Noël. En français, ça veut dire que ça va bien. On passe tellement vite. J'échappe mon BC. À 40 pieds dans les airs. Quand que je tombe, j'essaie de m'agripper à tout ce que je peux, mais ça n'a pas beaucoup de pognes de l'air. Contrairement à toi, t'avais pas mal de pognes. J'ai regardé dans l'étendue des dégâts. Mon poignet a décidé de déclarer faillite. Mon genou a décidé qu'il fallait prendre un nouveau tournant à sa vie. Mon épaule arrache des bois, chose super pratique, ça vous pique dans le milieu du dos. C'est bon, t'as vraiment tiré tout le jeu. Et pendant que j'agonise à terre, on vient m'annoncer que je suis qualifié pour la finale. J'avais travaillé 15 ans de ma vie pour ce moment-là. C'est pas vrai que je me laissais avoir par de vulgaires fractures. Fait que je sors le dernier tour que j'ai dans mon sac. Ça fait tellement pas c'est naturel fait. Comme tu parles. Parce que si la médecine moderne n'a pas la solution, ben j'ai Rémo c'est le slogan de Game of Thrones, on l'a, Battle the Boy. Oh, on l'avait pas fait. C'était juste pas drôle, c'est ça. En fait, j'avais pas entendu. Je me dégrippe le genou, l'épaule, le poignet. Je prends mon courage à une main. Le petit mouvement de tête. Le petit mouvement de tête à ce moment-là. Le poignet. Je prends mon courage à une main. Ce petit mouvement de tête, je suis fier de ma blague. Parce que pédaler en ligne droite, quand t'entends des cric crac crunch. Oh! Oh! Comme le passe, l'animatrice vient voir, me demande comment je trouve ma performance, et je réponds. J'ai fini. Il reste 5 secondes! Tu gagnes sur les applaudissements. Non, j'ai gagné sur tous ces bruits! Cric, crac, croc, au nombre de marques que t'as dit, t'étais comme une bande de hockey. Mais pour vrai, on croit vraiment à ton numéro parce que comme quand t'es sur scène, t'es tout le temps comme ça. Fait que genre, on sent que tu t'es pété quelque part dans la vie, mais genre, sérieusement, c'est pas fini encore! C'est pas fini! Non! Vas-y. Hey, c'est long là! Steve, tu sais, t'as plus d'applaudissements que de rire. C'est la seule compétition parce que j'étais content de finir troisième parce que je savais que jamais j'étais capable de monter sur la première marche. On me donne ma médaille. Puis c'est là que je me rappelle la fameuse phrase « La gloire est éternelle puis la douleur est temporaire. » Puis cette phrase-là est inspirante et pas vraie du tout. Je m'en vais à l'hôpital, le médecin enlève mon docteur et la moitié de mon poil. Mon poignet. La moitié de mon poids. Pourquoi cette addition? Pourquoi ce tag? Il montre une radiographie de ma colonne vertébrale et il me dit waouh, c'est parti de Jenga. Patch Adam, ce qui vous fait comique, m'explique que. C'est tellement mal. Je ne peux plus faire le BMX. En fait, il y a une opération qui va me permettre d'à nouveau avoir un corps apte à faire du sport extrême, la réincarnation. Je regarde ma médaille. Je suis comme, hein, t'as scrappé le corps pendant 15 ans. Il veut un rond de métal. Ah, t'étais sérieux. Je te sentais comme Gollum dans cette C'est vrai que les références au Seigneur des Anneaux dans le temps. Hein. Ça marchait. Comment est-ce que j'ai dit? J'en fais encore. Je dois aller défendre du pianiste. Mais maintenant, c'est assez dur de passer par des double backflips pour épater la galerie à la peinturerie des galeries. Je sais pas quoi faire de ma vie. Je me disais, tu sais, je suis peut-être allé à l'université, mais j'ai vu ce que fait les étudiants au printemps, en fait, juste marcher. Ah, c'est vrai? 2012, c'est vrai. 2012, scrap, on va faire. J'essaie de trouver les avantages d'avoir mis 15 ans de ma vie dans ce sport-là. Le seul que j'ai trouvé, c'est qu'avec toutes les blagues de métal que j'ai dans le corps, à ma mort, on va pas m'enterrer, on va aller me porter à la cour à scrap. Ah, c'est ça. Tu sais, je suis encore capable de voler les airs, mais je suis pas capable de marcher direct. Je suis le contraire d'une poule. Yeah. Ah, on dirait. Yo, pour vrai, genre. Je suis bah,
L'épaule! Ma soeur est autiste, pis genre des fois, elle sait que je fais du stand-up, pis elle veut faire des jokes avec elle, pis elle fait la même chose à la fin, elle fait une joke pas drôle, pis elle comme si tu sais quoi, tu sors sans te sonner, qu'il t'est réussi et whatever, yeah! Je suis content d'être pas! On sent qu'il y a un metteur en scène aussi qui est passé par. Tu sais, t'as des jeux là, des fois. Ah, c'est dégueulasse. Moi, quand on me dit que je joue mal, je suis comme, attendez, vous auriez dû voir en 2013. Ouais, t'as bien fait d'arrêter de jouer. Oh mon dieu, c'est attends, mais là, t'avais un metteur en scène qui t'aidait pour genre, c'est le mouvement de tête que t'as fait tout à l'heure là. Ouais, c'est ça. C'est toute la scène. C'est en tête. Mais c'est que tu robes devant les autres étudiants, fait que t'as pas. Tu sais, c'est pas organique là. Tu places des affaires comme c'était. Mais ta musicalité est bonne par contre, genre, ça se voit que t'as fait du rap, genre. T'as déjà fait du rap? Non, j'ai pas fait du rap. T'as pas fait, non? C'est après, là. Moi, en fait, je trouve que ça sonne un peu faux parce que c'est plein de mots que tu n'utilises pas puis tu vois que c'est forcé. Ça sent pas l'air, tu lis un texte. Ça s'entend. Ça, c'était avant Rose Battle? Ouais. Ouais, ça, c'est vieux. C'était un il y avait même pas le bordel. Il reste une minute. C'est juste parce que j'ai réussi à me rendre. Est-ce que le BMX me permet d'aller loin dans la vie? Non. Mais ça m'a pris une affaire, ben, juste une. C'est quand tu tombes, ben tu te relèves. Puis là, je fais de l'humour. J'ai aucune idée combien de fois je vais péter la gueule sur une scène. Mais à un moment donné, vous allez voir quand tout le monde en parle au Saint-Denis dans un galop bourré, puis vous allez faire. C'est qui, lui? Un callback! Yes. Un callback! Yes! Mais ça, c'est en 2013. Je suis sorti de l'école en 2014, ouais, 2013. C'était il y a 10 ans. C'est 10 ans. C'était ouais. Il y a 10 ans. Fait que ça n'aurait pas passé au gang show, là. Non. Non, je pense que non. Je sais pas quand closer cette vidéo-là. Est-ce que tu veux qu'on t'offre une heure d'écriture? On a la fin de vidéo. Merci les gars. C'est cool d'avoir été là. Merci. Merci, bonjour. Pour de vrai, merci à Oussama Elmini, à Guillaume Boldock, à Saad Finish, à Alex Harrison, à Katian, qui m'ont permis de vivre ça. J'ai détesté ça, de regarder mon premier numéro de Club Soda de l'École Olmo. Mais en même temps, j'ai aimé ça parce que ça m'a permis de voir le chemin que j'ai parcouru pendant les 10 dernières années. Et ça a évolué, là. Je suis vraiment content. J'avais carrément oublié la blague aussi de Tout le monde en parle. Et ce qui est spécial, c'est que un an après, j'étais vraiment Tout le monde en parle. Je sais pas si j'ai un don, tu comme, est-ce que je peux caler des affaires dans mes numéros qui vont arriver dans l'avenir? Parce que je vais m'en servir si je peux. Mais merci à vous d'avoir écouté la vidéo. Si ça vous tente de liker ma chaîne, de vous abonner, voir les nouvelles vidéos qui vont sortir, j'essaie de sortir une vidéo par semaine. Sinon, viens me voir en spectacle, charlesdeschamps.com, le lien va être en bas. J'ai des vraiment, 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 vraiment meilleures blagues que ça. Sinon, continuez à écouter le Gang Show parce que on enregistre les premiers numéros de monde qui vont regretter de regarder dans 10 ans. Une chance qui a évolué.